Nous sommes en septembre 2020. Nous perdons une heure entière à nettoyer, s'il vous plaît. Nous perdons une heure entière à nettoyer le haut des coques parce que du plâtre qui n'a rien à faire ici, du plâtre qui vient s'incruster dans les coques, nous empêche de reposer les coques correctement et on doit donc le nettoyer avec une petite lime et on attaque les coques à chaque fois. On est en train de creuser les coques, l'heure est grave. Et on ne sait plus comment faire. Réunion générale entre l'ensemble de la boîte, nous quatre. Appel vidéo entre moi, Simon, Missor et toi. On discute longuement et on trouve une solution. Une scie. On va régler son compte aux plaques. Mais pour que vous compreniez où je veux en venir, il faut d'abord que vous compreniez le fonctionnement d'un moule. Le moule se présente avec deux parties principales. La première partie étant le silicone, qui est là où on a la forme de la statue et là, basiquement, où on coule le plâtre. Et pour que le silicone ait la bonne forme, on retrouve des plaques. Et de base, Candide et ivre d'insouciance, nous avions eu la bonne idée de fermer les plaques pour que le silicone ait une meilleure forme, et c'était une grave erreur. Car il y avait toujours un peu de plâtre qui fuyait, rentrait dans les coques, et les coques s'en retrouvaient sales et déformaient la statue suivante si on les nettoyait pas parfaitement. Le silicone coulait légèrement de ce trou ainsi que de la fente, et dans la mesure où le moule était fermé, il remontait dans les plaques. Et quand on fait des mouvements comme ça, on le motivait. Là, on motivait grandement le plâtre à remonter. Si bien que par la suite, les coques étaient dégueulasses et il fallait qu'on les nettoie à chaque fois. C'était un enfer. L'enfer sur terre. En fait, ivre de rage, Missor attrape le marteau et moi je le bloque et je lui tends la scie. Et Missor a mis des coups de scie, propre au possible, droit au possible, et les problèmes étaient résolus. Maintenant, quand on fait des mouvements avec, en supposant qu'il y ait du plâtre qui coule, il coule pas dans les coques. Il coule par terre, ou alors sur les genoux, suite à ça, quand le plâtre a commencé à sécher un peu, il arrête de couler, et du coup, la statue se fait normalement. Le deuxième problème qu'on a rencontré, c'est que quand les plaques n'étaient pas parfaitement jointives, le silicone n'avait plus la forme qu'on aurait voulu qu'il ait, et les statues n'étaient pas des reproductions exactes de l'original. Pour que les plaques soient parfaitement jointives, on a donc décidé de faire des trous qui passaient à travers les deux plaques et de mettre des vis. Le vrai problème, c'est que, en fait, on pouvait pas les serrer. Mais j'arrive pas à le mettre. Tu sais, t'as pas de levier pour quand tu tiens l'écrou avec tes petits doigts là, tu peux pas vraiment genre bloquer le truc. Du coup, c'était pas ouf. Du coup, on a remis des élastiques. Tout simplement, on s'est dit, bon, on arrête les conneries, on arrête la R&D. C'est fini, ça dégage. Pendant un mois, plus de R&D. Et un mois plus tard, on s'est dit, bon, ça suffit, on reprend la R&D. Parce que rien n'allait, on avait plus de moule. Et un des problèmes qu'on a rencontré, c'est que avec le temps, quand le plâtre s'infiltrait dans la fente, la coque arrière pouvait parfois se déformer un peu. Et on voulait pas ça. Du coup, on a eu la bonne idée de mettre un crayon que tu retrouves ici. Et parce qu'un crayon, c'était pas ouf, il y a un moment, on prétend à plus que bricoler avec des crayons, on a mis des hommes. On a mis des aimants qui sont sous tout standard bien plus stylés et bien plus simples à mettre et enlever, puisque en fait t'as pas à les mettre et les enlever. Juste ils sont déjà dans les coques, tu poses la coque. Que le peuple pourrait vouloir de plus que du pain, du vin et des aimants. Nos employés étaient en mode les mecs voulaient devenir une multinationale, on bosse avec des crayons. On bosse avec des crayons les gars. Et nous du coup forcément on chargeait les employés. Mais on se rendait compte qu'ils avaient en partie raison. On pouvait pas juste continuer de bosser avec des crayons. Et on s'est mis à mettre des aimants dans le silicone, on s'est mis à mettre des aimants dans les coques, et on a réglé tous les problèmes, et on a regagné l'estime de nos précieux, de nos plus doux employés. Toutes les bosses sont en fait des bosses magnétiques qui ont la volonté de rentrer en relation avec un autre aimant. Avec un autre aimant, et qu'est-ce que nous on fait? On apporte la relation, on apporte la calorie à l'aimant. On le rend heureux, et il reste avec nous. Tout n'était question depuis le début que de calories. Donc dans ça, il y a un aimant qui est caché, c'est ça? Exactement. J'aime bien quand la coque devrait tomber en arrière et qu'en fait elle revient. Tu vois, elle défie les lois de la physique. Tu croirais que... Et en fait, non, tu croirais que... Newton, t'aurais demandé à Newton, il te serait dit, ça tombe. Franchement, ça tombe. Et en fait, non. S'il y avait eu un aimant dans la pomme de Newton, le monde serait différent à l'heure actuelle. Aussi, cette histoire de moule est bien belle, mais je me trouve à une place où un jour, il y a eu une palette. Quel est donc le doux jeu que vous m'avez présenté? Très cher, ce jeu est très simple. Nous avons ici une palette. Et nous avons ici une hache. Et le but, c'est d'avoir en fin de course des copeaux. Des copeaux? Des copeaux de bois. Tels que ceci? Tels que cela, en effet. Cela paraît très simple,
Et c'est en fait méga dur. Car nous tapons à la perpendiculaire de la planche et elle ne cède pas si facilement. Cela m'a l'air tout à fait aisé. Ma foi, je vous prie donc d'essayer. J'y vais de ce pas. Bâtard ! C'est impossible à couper ! Est-ce que tu sais où t'es tapé ? Oui, là et là ! Ah, en effet, on peut voir... Mais c'est incoupable, mon gars. Souhaitez-vous que je vous montre ? Allez-y. Car j'ai développé une technique. Quelle violence! Ok, numéro 1. Ça a l'air tout à fait dangereux. Allez! Ah! Voilà! Let's go! Oui, les gars, ça marche. Ça va? Encore plus de testo. Ça a été fait entièrement à la main, c'est ça? Ça a été fait entièrement à la main. Et pourquoi tu penses que c'est de la merde? Non, mais je veux pas... Je vous le dis à vous, mais moi je me souviens quand j'étais à l'école, je fais mon dessin, et tout le monde dit « Waouh, tu dessines trop bien, il y a tout le monde autour de moi. » Et moi je dis « Mais non, c'est nul. » Et là, tout le monde me méprise. Il dit « Mais comment ça c'est nul, arrête de te la péter. » Et il me met un petit coup comme ça derrière avec la tête. Cube, là. Comme avec mon cube, exactement. Sauf que moi, je vois comment on peut progresser. Mais quand je dis que c'est nul, quand je dis que c'est nul, les gens ils sont pas contents parce que je les renvoie à leur propre médiocrité. Là, c'est pour ça qu'il y a des gens ils ont des crises d'urticaire quand ils entendent faire ça. C'est parce qu'ils savent très bien qu'eux ils arriveront jamais à faire un truc comme ça et pour moi ça c'est minable.